Salut à tous, c'est Nathan, on est sur Switch Cards. Les développeurs m'ont passé une clé pour que je puisse vous faire découvrir le jeu. Alors c'est un jeu véhicule de course roguelike dans l'espace-temps. C'est un peu bizarre, mais il est assez fun. Les environnements sont générés aléatoirement. Vous allez voir qu'il est assez sympa. Par contre, je suis pas fan des contrôles parce que ça se joue avec les flèches. Et en plus, on va faire ça. Voilà, ça se joue avec les flèches entrée Z, X. Vous allez voir... En bas à gauche, vous voyez, il y a Z, c'est pour les véhicules qui roulent. Là, c'est mon petit personnage. J'appuie sur... Non, j'appuie pas sur entrée. Ah oui, j'appuie sur Z pour contrôler le véhicule. X pour les véhicules... Oula, je vais esquiver. X pour... Tiens, on va changer. On va prendre celui-là. X pour les véhicules marins. Et C, je me souviens plus trop. Donc, on a juste à... Oula. Alors, on peut sauvegarder les véhicules. Regardez, si je continue... Voilà, ok, donc je me suis pris les notes de tension, c'est normal. Encore une fois, retry, ok. Si je continue, en fait, je peux très bien me balader à pied, appuyer sur Z pour contrôler une voiture, rappuyer sur espace pour sortir la voiture, appuyer sur Z pour en prendre une autre, ou bah là, j'ai repris la mienne, vous voyez, hop, là j'en prends une autre. Je saute d'une autre voiture, là si j'appuie sur Z, hop, je prends celui-là, etc., etc. On va essayer de prendre le petit quad, et alors évidemment, vous avez un temps en bas. Vous voyez que là il reste 1 minute, non mais je fais n'importe quoi, il reste 1 minute 10 secondes avant la fin de la partie. On va juste essayer d'être assez réactif pour vous montrer le maximum de choses. Vous voyez que là il y a une espèce de vague qui m'a fait changer de map. Et en fait voilà, c'est juste ça, c'est un train. Vas-y, on prend le train. Tchou-tchou. Alors je crois qu'on peut aussi en appuyant sur contrôle juste... Ah mince, alors là vous voyez, regardez, si j'appuie sur espace, là le véhicule, vous voyez qu'en bas à gauche, il est sauvegardé. Bon, là j'en prends une main, donc il est plus sauvegardé, mais du coup, on peut vraiment juste garder des véhicules qu'on aime bien. Par exemple, une moto parce qu'elle va vite, un hors-bord parce que aussi il va vite, etc. Et après, se débrouiller pour faire quelque chose de bien. Alors là, je vais essayer de choper... Oh, j'ai une neige, voilà, regardez. Je crois que c'est un pédalo, bon c'est pas grave. Là j'ai chopé un pédalo, vous voyez que là après je peux appuyer sur espace. Hop, je rappuie sur X, ah non c'est Z. C'est Z, bah je sais plus pourquoi d'ailleurs. Allez, allez. Alors là, un pédalo sur la route, regardez. Bah, ça marche pas. On va prendre la voiture de police, en appuyant sur sur contrôle. On a la sirène, je sais pas si vous entendez bien. Vous voyez, ah non je voulais prendre le portail, là le portail. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ah oui, j'ai lu dans la description du jeu que c'était apparemment des espèces d'aliens qui... Safe zone, ok, j'ai réussi à l'échapper. Des espèces d'aliens qui avaient envahi la Terre... De quoi? Véhicule... Ah mince, il me faut une gas station, ok. Bah oui, bah j'ai plus de gas station, ok, merci. Bon, bah, on va continuer à pied comme un pied glandu. Alors vous voyez que le jeu est... C'est un véhicule ça? Non. Le jeu est assez fun parce que voilà, ça joue vite, il y a moyen de faire des trucs sympas en faisant espace Z pour prendre des véhicules. On va essayer de prendre celui-là. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Hop, voilà, c'est quoi ça? Full engine, ok. Donc là, on se fait ça, on appuie sur Z et on est dans l'eau. Donc vous voyez, il y a vraiment moyen de faire... Mais il est mieux, il va plus vite le tien. Donne-le moi, comme je l'ai piqué, je sais pas si vous avez vu. Je vais essayer de faire, alors j'ai déjà fait des trucs un peu stylés en solo, évidemment c'est toujours un peu compliqué de faire tout ça. Regarde, espace hop, Z, et là j'ai pris la voiture, espace Z. Ah non, non, pas dans l'eau, pas dans l'eau. Pas dans l'eau, ah on est sur l'autoroute. Alors, il y a aussi plus de 1000 véhicules qui sont générés, alors, générés, qui nous sont proposés plutôt. Je crois pas que ce soit des véhicules faits aléatoirement. Sur les rails, ah voilà. Je pense pas que ce soit des véhicules faits aléatoirement, mais il y en a quand même 1000, hein. C'est pas dégueulasse, 1000. Alors, toi, non, je te veux toi. Voilà. Toutou. Ah, voilà. A tout détruit. Donc c'est un jeu, comme je vous ai dit, assez fun, qui se joue vite. On va pas faire plusieurs let's play dessus parce que je pense pas que ce soit très intéressant. Là j'ai plus de véhicules, je suis comme un con. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, regardez, en appuyant sur contrôle, j'ai des grappins. Donc là, si on veut aller plus vite, on peut le faire. Mais avec la petite tut-tut qui est là, ça va être compliqué. Ah, je veux prendre un... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'était un espèce de... Ah non, 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 l'alien qui va me... Non, 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 non. J'ai plus de véhicule, j'ai plus de véhicule. Ouh, je suis dans une safe zone. Ouf. Bon, on va essayer de au moins... Non, évidemment, il se traîne ce truc, quoi. On va
essayer d'en choper un autre. On va essayer de choper lui. Alors, espace Z, attention, espace Z. Voilà. Oui, je vais pas faire plusieurs let's play dessus parce que je pense pas que ce soit très intéressant, mais je voulais absolument vous le faire découvrir parce que je trouvais ça assez sympa. Le jeu, vraiment, pour le coup, on a tendance à dire oui, alors ce jeu-là, on l'a déjà vu. Not a word, ok, merci. Ce jeu-là, on l'a déjà vu plein de fois. Là, bon, pour le coup, on a déjà vu ce genre de jeu, mais avec des aliens qui envahissent la Terre et qui font des portails pour vous téléporter dans des d'autres dimensions. Non, non. Ah, il y a une montgolfière, un montgolfière, un montgolfière. Oh, trop bien. Oui, c'est pourri. Ok. C'est quoi ça? C'est un bâtiment de guerre? Bon, il reste 30 secondes. On va essayer de finir le... Ok, le mec détruit tout sur son passage. Tout est normal. On va essayer de finir les secondes là pour voir ce que ça donne. Je me souviens plus. Hein, je l'ai fait hier, mais j'ai joué quoi? Allez, 10 minutes. Je vais vraiment vous faire... enfin, découvrir les jeux en même temps que vous. En même temps que vous, je vais y arriver parce que je trouve ça quand même un petit peu plus sympa que déjà arriver et d'être... Oh, bien! J'avais un putain de hors-bord ou je sais pas quoi, de bateau pour aller sur l'eau. Et je tombe sur une nouvelle map. Sur l'eau, regardez, il reste 5 secondes. Attention, attention. Alors là, forcément, ça va pas marcher. Ça va beaucoup moins bien marcher. Là, si je prends un truc, ça fait quoi? Il reste 0 secondes. Non, je vais mourir par l'alien. Non, je vais pas mourir par l'alien. Ah, il reste 0... Mais il reste 0 secondes, alors. Ça veut dire quoi? You have more véhicule available. Non. Non, non, je t'emmerde. Non. Non, 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 non. Non, je t'emmerde, j'ai dit. Non. Je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Je vais m'écorcer par un ver géant. Non, non, non. Hop là. Oh, mince. Bon, au moins, regardez, j'ai pu aller stuck by un alien. Voilà, je suis mort par un alien. Vous voyez que là, c'est tous les véhicules que j'ai utilisés en haut. Donc, il y en a plus de 1000, ils nous disent. Donc, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc la vidéo était vraiment assez courte. Je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous faire découvrir le jeu. Je pense pas que ça mérite plus de vidéos parce que, voilà, c'est vraiment un petit jeu qui est juste fun à jouer vite fait. Allez, ciao, ciao.